Bien, salut à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sympathique. J'espère que la chaîne ne m'a pas pensé. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que la mise à jour 1.14 est sortie. J'ai l'occasion à vous de faire tester donc le DAF X16. Je vais mettre comment. Attends, on dit, je vais tester après. Donc, c'est un DAF DAF auto. Ouais, c'est le DAF, le tout nouveau DAF qui est sorti là récemment. Et au niveau vraiment bruit, c'est vraiment ce qu'on entend. Là, écoutez, c'est vraiment tout nouveau. Par contre, au niveau des clignotants, ça fait deux fois vrai. Et ça fait deux fois plus vrai. Mais en tout cas, ça fait deux fois mieux. Voilà, alors je vais faire un test avec vous. Jusqu'à l'équivalent là, parce que là c'est pas de conneries, jusqu'à 23h. Donc je sais pas si tous les camions ont été rénovés. Je sais que j'ai découvert plein de pièces et je vous en prendrai des photos parce que c'est vraiment bluffant. Oh, déjà, je suis déjà bluffé avec le camion là, le DAF. Je le croyais pas comme ça quoi. Il est vraiment beau, magnifique. Je vais juste voir un truc les gars, liste de camions. Alors moi j'ai été voir tout de suite si j'avais la mise à jour. Oui, je l'ai, donc le DAF, voilà, c'est le DAF XS X Euro 6. Et au niveau de l'intérieur, rassure-moi, ils font pas de nouveaux trucs. Voilà, ouais, non, vous voyez, je vous l'ai dit, ils font pas de nouveaux trucs parce que tout simplement, c'est vraiment de la camelote après. Alors après, des tatouages, il y en a plein. Vous en avez plein. Après, je vais voir un truc parce que là, je vais découvrir plein de pièces et je vais voir Renault. On va voir Renault. Tiens, voilà, Renault. On va prendre Renault Magnum. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre Volvo. Tiens, bonne idée. Alors, ils sont tous au niveau là, niveau 14. Et maintenant, vous avez un mode qui est qui se soulève avec l'ombre. Alors, je crois que c'est tout nouveau, mais je sais pas. Alors, est-ce que c'est la même peinture pour tout le monde? Ah génial, quoi ma voiture. D'accord. Bon bah dommage pour moi parce que la mise à jour n'arrive que ce soir et je pourrais juste la tester là. Mais écoutez les amis, je vais l'acheter je crois ce camion là. J'aime faire un plaisir, j'aime bien conduire, je trouve que la conduite est vraiment bien foutue. Il est amélioré en tout cas. C'est vraiment magnifique, quoi, c'est bluffant. J'ai jamais eu un camion comme ça. Magnifique. Alors, il y a Scania aussi, mais Scania, voilà quoi. Mais regardez, j'arrive à conduire, j'ai pas de problème comme d'habitude. Au niveau freinage, je vous préviens, ça freine. Ça freine. Alors, je sais pas, j'ai testé la radio tout à l'heure, et à mon avis, ça a l'air de marcher. On va faire France Info. Tout à l'heure, j'ai réussi à avoir la radio de Pas-de-Calais. On va essayer celle-là. Ça va être elle. Skyrock, non. On verra. C'est bizarre que là. Ça marche pas celle-là et celle-là. Est-ce que j'essaie Énergie? Ah, si Énergie marche. Je prie pas le Seigneur. Bon bah il marche pas. Bon bah désolé, il marche pas. Langue française. France Inter, France Info. On va mettre c'est combien d'habitude. Alors les amis, c'est Guigui qui m'a appelé, il m'a fait envoyer un message. Je lui ai fait Alex, couche-toi, il y a le DAF. X Euro 6 qui est sorti, dis pas des conneries. Ah si, vas-y, moi je suis en train de le tester, il est magnifique, tu vas le kiffer et tout. Et je débarque, je vois la mise à jour carré, moi je crois que c'était pas celle-là. Moi j'ai cru que cette mise à jour là m'avait abandonné quoi. Et je remarque le DAF X 06 Euro hier. Ah bah alors la mégane, vous dis pas, j'étais bluffé.
fin, quoi. T'arrives même plus à conduire. Et puis, bon, bah, moi, comme j'ai lié, je fais, bon, bah, c'est peut-être le nouveau d'équipe, quoi. On va venir avec quoi? Il me dit, on vient le Iveco et on prend celui-là. Je sais même pas s'il est disponible. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de le tester parce que j'avais fait une demande de le tester déjà d'origine, donc. Genre, j'ai sur le cul. Alors, regarde là, j'ai déjà vu sa vidéo, il m'avait déjà montré le canal. Il a rajouté, c'est normal, j'ai pas. Putain, même sans mode. Et les camions, je vous rappelle, alors j'espère qu'ils vont le faire là, mais je suis pas sûre. Les modifications de DAF, ils sont bluffants. Ça n'est pas comment on dit, hein. Dingue, hein. Eh oui, mais les caméras et tout, regardez. On se croit dans un camion. On dirait un Renault même. Ils ont amélioré tout, alors ils ont amélioré dans la mise à jour, ils ont tout amélioré. Je suis dégoûtée, hein, mais dégoûtée parce que demain je suis pas là et je le testerai pas. Alors j'ai juste besoin de ce soir. Un petit peu. Ah! C'est un canon, c'est une petite camionnette. Hein. Ah mais écoutez, regardez, j'arrive à conduire. Il va être content, il va dire putain mais t'arrives à conduire avec ce camion là. Ah ouais mon gars, j'arrive à conduire. C'est bluffant. Et même ouais, j'ai pas à 100. Ah mais c'est de la 140. Et là vous allez voir que les freins, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que les qu'on a. Il m'a dit de pas faire d'accident, il dit mais avec moi c'est pas garanti. Hein. Bon d'ailleurs il n'y a plus d'accident quoi. Mais écoutez, eh, même sans la radio, on n'entend pas le bruit du canon. Avec les autres bruits, on entend. C'est chaque fois ça. Rien à dire, moi je donnerai un 20 sur 20 sur ce taf là. Je le donne 20, voilà. Je donne à 20 sur 20. Très très beau camion, les gars. Mais regardez, je me mange même pas de PV, je mange rien. Et pourtant, il y a la route, il y a 80. Vous vous rendez compte le truc, le bordel que ça fait? Et c'est un truc de folie, quoi. D'habitude, tu conduis, t'es genre le camion dans ta mallette, tu fais tac 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 tac. Que là, tu fais tac, tu passes doucement. Ça fait tac 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 tac. Ça passe direct sur la ligne, comme si t'étais sur un volant. Et ça, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est génial, quoi. Alors, il me dit, écoute, alors là, il m'envoie un message, il me dit, oh, écoute, je l'ai vu sur Facebook, il me dit, écoute, mon gars, je le teste moi aussi. Tu fais pas, tu peux pas le tester, t'es en course. Elle me dit, ah, merde, oui. Et moi, ils m'ont fait exclure de la mission, bien sûr, et j'ai été dégoûtée parce que ce point-là, voilà, quoi. Et je me suis dit, bon, ça a l'air chaud. Parce que combien de ces camions comme ça, c'est nouveau. Je sais plus si c'est nouveau. Hein. Si c'est nouveau. Je vais tourner par là. Vous avez même pensé à quoi les boîtes de clignotants? Ça fait les boîtes de Citroën. Citroën en noix, comme ça. Et puis, regardez, tu écoutes ta petite musique comme ça, doucement, tranquille. Et tu te crois en vrai. Et c'était comme en vrai. C'était comme en vrai, quoi. Et je me crois vraiment de plus en vrai, moi. Et je trouve que c'est pas mal. Putain, mais moi on l'entend pas quoi. Alors, sale bémol, ils ont. Parce que j'ai compris que Didi était en train de péter pont. Sale bémol, ils ont pas mis des sons dans les camions. Genre, c'est les mots, ils mettent pas de sons. Voilà. Je suis un peu débile, mais putain, j'ai envie de dire félicitations quoi. Juste fuck, parce que demain je suis pas là et je fais pas le tester. Bon, je le testerai que samedi quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment bluffant quoi. Tu te dis, putain, tu testes le nouveau DAF, tu te dis, ah ouais, mon gars, t'as l'occasion, hein. Et Emily Guigui me fait, ah bah pas d'accident, parce que tu fais des accidents, tu nous rendras pas hommage, hein. Alors j'ai dit, non, promis, pas d'accident. Mais j'en fais aucun avec DAF. Regardez, mais même problème. Je fais aucun accident. Putain, nous on n'a pas de station d'essence.
Ah, ça y est, ils ont mis à mi-juin. Ils ont mis à mi-juin les roues. Trop fort. Ah, il est beau, le pare-soleil du Scania. Ils ont mis à jour carrément, ils ont fait comme si c'était en vrai. Ils sont pas fait chier, les gars, bravo. Hey. Félicitations, Scania. Alors, bravo, Road Truck, tu dis. Là, pour le coup, pour mes 1 an de Road Truck, ils ont poussé mes mères dans les orties. Là, j'avoue, ils ont poussé mes mères dans les orties. Moi, j'ai cru que je n'allais pas l'avoir en point 14, et je me suis dit, bah, si je vais pas l'avoir. Et je l'ai eu. C'est bravo, félicitations, very good, excellent. J'ai envie de vous dire, les gars, vous avez poussé là. Il m'a dit que le prix du gasoil va monter. Je lui ai dit, écoute mon gars, il va pas monter avec moi parce que putain, si on augmente, t'en es pas dans la merde. Hein. Ah oui, putain! Ah non, c'est moins cher. Prix au total, c'était 1000, je ne sais plus combien. Et non, prix du gasoil, prix total, c'était 1000, je sais plus quoi, et là c'est 740. C'est pas mal. Ils ont augmenté. Même le bruit du camion. Quand j'entends le garage, je me dis, putain, mais c'est pas le bruit du camion quoi. Oh mon dieu! Ils ont changé tous les écrans. Ah, je vais en prendre des photos. Ah, ce camion, il est beau. Ah, ils ont changé les jantes. C'est nouveau ça. Pourquoi ils mettent R1 et R2? J'ai peur. Pourquoi ils mettent R1 et R2? Oh, attendez. Je vais faire ça à la remorque. Explique-moi pourquoi mon gars tu mets une un. Ah ouais putain il est. Mais wesh. Watata putain le frein. Ah ouais. Pas pourquoi R1 R2. Bah ouais, c'est bizarre, j'ai pas compris. J'ai rien à mettre de guille, putain, le camion, c'est de la bête. Putain, le dérapage, je peux faire mon dérapage. Bah moi j'ai pas compris. Les amis, si vous avez si vous avez le DAF Euro 6, expliquez-moi en commentaire pourquoi, à quoi. Oh! On va tester les essuie-glaces. À quoi sert R1 et 2? Et puis voilà, bon bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment bluffant. Ah, il est déjà 43, vraiment, c'est plus sympa. Je suis dégoûté quoi, j'ai les boules à zéro quoi, j'ai envie de dire, parce que je peux pas tester quoi, je pourrais pas tester demain. Je le testerai bah, que samedi quoi, je le testerai peut-être vendredi. Bon, je m'excuse pour la première fois, je rentre dans la vidéo. On va rien dire. Hein. Alors. Bien sûr, vendredi, je vous ferai une petite chronique du roquet. J'espère que mon frère va dormir pas maintenant. J'espère bien parce que je voudrais bien finir la mission. Vraiment, s'il dort, ça sera fini vendredi. Mais le camion est bleu. Ouais. Rien à dire, c'est vraiment juste quoi. J'avais connu. Alors, je vais vous dire, j'ai connu DAF. J'en ai un DAF. C'est un tonnerre. Bon. Pas grand chose à dire, hein. DAF, c'est un tonnerre, quoi. Et puis. Mais, et puis j'ai découvert tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma copine, et puis j'ai découvert que tout d'un coup, j'ai vraiment l'entendu des voix, non, j'ai entendu des voix, que la mise à jour allait arriver, je dis bah,
C'est une mise à jour pareil, moi j'ai pas la point 14, ça me fait chier. Et non, je découvre sur la point 14. Et je cours tout de suite dans le rayon canon. Et je vois le DAF 06 euro. Euro 6, pardon. Et là, qui c'est qui m'envoie un message? Ah, mais si, il me fait peur. Oh, Guigui, tu vas m'en vouloir, tu vas m'en vouloir. Oh, Guigui, tu vas m'en vouloir. J'ai un accident. Et puis, bah écoutez, je me suis dit, ah ouais, putain, écoute les gars, je suis bluffé, là-bas, j'ai mis du bruit, putain, et je l'ai mis bien. Et je me dis, what the fuck, c'est quoi ce camion, mon dieu, je vais rater à quoi. Et déjà, les missions, ils ont augmenté, ouais. C'est grandiose, ça. C'est vraiment magnifique quoi, c'est bluffant, t'as rien à dire, c'est magnifique quoi. Alors, est-ce que après, parce que Guigui lui, il voudrait vraiment, hein, c'est vraiment son problème, est-ce qu'il veut vraiment que DAF, l'Euro 6, soit dans notre équipe? Et je lui ai dit, écoute Guigui, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que 8334 euros. J'ai envie de te dire, il m'a quand même fait, mais écoute, on va faire une bonne affaire, on va revendre Iveco, et toi tu vas prendre le 06, le veut. Hein. Bon bah très bien, écoute. Hein. Il me fait parce que je veux vraiment ce camion, il est bien foutu. J'ai jamais entendu un collègue parler comme ça. Seul bémol, le volant est trop rapproché en mode conduite. Mais après, c'est pas foutu quoi. En matronnage, j'ai. Eh, hey, tu freines, une... pum! Attends, je. Pouf! Elle est dans le parc, oui. T'as pas attention, elle. Pum! Eh ben voilà, t'as pas attention à ma face. Voilà. Ah, et puis voilà, mais il faut m'expliquer, ça sert à quoi R1 et R2? J'ai pas compris, est-ce que quelqu'un a déjà trouvé R1? Oh putain! Oh my god, le dérapage! C'est moi qui font des dérapages de ouf comme ça! Ah, tu conduis, tu me sens plus petit là! Alors j'en ai entendu parler, il y en a, ils ont entendu parler. Et bah, je comprends pas les gars, pourquoi vous avez fait un mode? Vous avez fait des modes maintenant, voilà. Les mecs, ils ont dû faire un mode pour ajouter le DAF 06. Ils ont dit, putain, mais j'ai fait un mode pour. Eh ben voilà, fallait pas faire un mode. Moi Guigui m'avait. Bon lui c'était son projet en tête, hein. Il m'avait déjà dit, il avait vu moi je voulais avoir le DAF 06 et je lui ai dit Chantal, il m'a dit que je veux le mode. Et je lui ai dit, ah bah moi tu me mettras pas, moi je veux que Rosemary qui restera dans le rêve. Moi je lui ai dit, moi je dis je veux que Rosemary qui reste dans le rêve. Et il m'a dit, bon, bah on va attendre la mise à jour quoi. Et je lui ai dit voilà on va attendre la mise à jour. C'était déjà au mois de temps. Il savait pas quoi, il disait bon bah attends donc c'est vrai et tout. Et il me dit, alors soit il me dit bah écoute, il me dit sur le FMI, écoute j'avais raison, fallait attendre la mise à jour et on a eu notre fameux DAF. Alors je lui ai dit bah écoute moi, étonné, je lui ai dit étonné, il me dit tu donneras combien toi? J'ai dit bah 20, il dit bah 20. On est tous les deux à lui donner des 20 parce que c'est un canon. Merde, merde. Bon, après ils ont mis la fin de tout. Allez, on va faire la tête. Ma, c'est quoi ce bordel? Ouais, je lui ai dit, le mode conduit, c'est un camion. C'est pas ça d'habitude. Le camion, quand je vous dis, alors le camion, on va le mettre comme ça. Le camion, quand vous tournez, il a tendance à faire des zigzags. Ah oui, des zigzags. Ah ouais, putain, il a fait un zigzag, ouais, justement. Il fait des zigzags. Et quand il fait des zigzags, t'as pas le temps de réagir qui compte tout quoi. Et que DAF, avec DAF, je regarde un truc, est-ce qu'ils ont évoqué des trucs à la carte, parce qu'on sait pas. C'est moi qui ai rêvé où ils ont.
perdu la carte. Ah non. Ils ont laissé des quêtes. Par contre, ils ont débloqué des routes. Génial. Alors, précision. Ils ont débloqué des routes. Hein. Ils ont une petite route, hein, vous savez. Ah bah, ils ont débloqué. Bah, alors là, ça va être la merde. Ouais. Bref, alors, on va parler d'un autre sujet. Et donc, quand vous tournez, vous avez tendance à faire zigzaguer votre camion. Et moi, ça m'énervait, quoi. Tu zigzagues pour rien. Pourquoi je zigzague comme ça? Et tu avec DAF, j'ai appris des trucs avec DAF. Bon, là, j'ai rien d'apprendre à un putain de bâtard de sa mère. J'ai envie de dire la dernière expression, mais non, putain, comme école. Non, mais c'est vrai que c'est une putain de bâtard d'expression, comme je dis. Parce que là, tu t'apprends quoi, quelque chose. Tu dis, ah ouais, putain, j'ai pas appris ça au cours de mes années de ma carrière. Ah bah putain, j'apprends des trucs, mon gars. Et là, tu te dis, ah oui, hein, je me sens bien foutu, là. Et là, avec DAF, vous allez dire, je me sens mieux, je me sens balèze, c'est bon. Voilà. Alors, il est quelle heure? Il est 50. Alors, il est 50, on va mettre notre idée. Pourquoi as-tu pris une mission? Alors, j'ai pris une mission, tout simplement. Je vais tester DAF. Mais je suis jamais passé par là, c'est pas sorry. C'est quoi ce bordel? Je suis jamais passé par là. Bon, bah, du coup, les routes. Voilà, voilà, je découvre des routes, c'est sympa. On se croit dans un bus. Ah putain, ils avaient oublié ça. Rappelez-vous, je viens juste d'en m'en rappeler et ça m'a fait tic. Ils avaient pas dit à maman, si, ils l'avaient dit, que les PV seront deux fois plus sévères. Oh putain. C'est pourquoi je me suis pris un putain de sévère. Moi je vous dis, mais c'est pas les PV qui vont me faire peur. Hein. Mais au contraire, j'en ai pas peur. Voilà, voilà. Alors, ils me disent, Guigui me dit, parce qu'il m'avait dit, dorénavant, il m'avait dit, oh, mais écoute, Alex, parce que moi, il m'appelle Alex, mais il m'appelle pas mon prénom. Écoute, il m'a dit, mais écoute, Alex, j'ai envie de te dire, c'est pas DAF, quoi. On se croirait dans un autre camion. Et je lui dis, écoute, c'est une affreuse, moi, je peux pas te savoir. Et il me dit, bon, bah, dommage que t'es pas là, moi, je te testerai demain. Et je dis, non, dis pas ça. J'ai envie de vraiment, là, j'ai envie. Je vous le dis en face, on me dit en face clairement, j'ai envie de jouer de plus en plus à Rodruck. Rodruck, il avançait de pas en pas, je sais pas comment dire. En fait, c'est un jeu, je crois, qui était en début d'avancement, il progresse. On a deux qui est sorti, il progresse. Plein de modes est sorti, bon là tout le monde a lancé les modes, mais le truc, Rodruck, est deux fois plus beau que son mode. Regardez, même la direction, j'arrive à la gérer. C'est un truc de folie quoi. Alors qu'avec Renault, j'ai pas un contre Renault, hein, je vous dis tout de suite. C'est qu'avec Renault, vous n'arrivez pas. Je sais pas comment dire, mais vous n'arrivez pas. Et ça, c'est ma crainte. Regardez. Désolé si je double, hein. Mais ce soir, c'est exceptionnel. Mytho. Bien. Exceptionnel. C'est exceptionnel que je. Oh putain! Je suis parti sur la terre, mon gars! C'est pas parti en couille! Ah. Trop fort! Bon, bah voilà, moi je donnerais même plus que 20 à Scania. Enfin, Scania. Voilà, donc là, hop. On va tourner par là. Vas-tu finir? Ouais, je vais finir. Je vais juste. Ouais, non, je vais pas juste réparer, non. Je vais continuer. On va faire un test. On va faire un test, attention. Préparez-vous que je freine. Papa, 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 mama, watata. C'est quoi ce camion? Ils ont effacé tout? Les mecs, ils ont effacé tout. Tu montais dans la. Non, tu descendais, tu montais. Paf, tout ralenti. Voilà, carrément, tu. Montagne russe. Regardez, j'ai besoin d'éclairer. Éclaire tout seul. Truc de folie, mon gars. Eh, je suis vraiment déçu, hein. Vous êtes sale, ce que vous avez fait. Je peux pas le tester d'abord. Monsieur. C'est trop con. Bon, bah voilà. Tranquille, je me laisse aller. Allez, on refait. Un petit coup. Attention.
attention. Attention. Alors là, je peux plus le faire parce que là, on trouvera des boss là. Et voilà, Guigui qui me marque. Et puis putain, c'est trop bien là, je suis en train de finir ma mission. Ah! Est-ce que c'est la même pour tous les témoins? Alors je sais pas, là écoutez, je viens juste de tester DAF. Parce que c'était mon grand plaisir de tester le DAF. Bah écoutez, c'est dommage que j'ai pas mon PC hein, moi-même. Alors je vous dis clairement, j'aurais bien testé toute la soirée. Et quelle heure? Vous voyez les amis, j'ai même pas envie de vous quitter vous aussi. Hein? Et écoutez, je vais vous quitter moi. Je vais vous quitter. Je vais garder le canon. Et je vais continuer à ma façon. Ça passe Maurice? Eh hey Maurice, ça passe pas, c'est à fait. Ouais, par là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Maurice? Vas-y, vas-y, avance. Allez, je vous l'ai dit. En maintenant. Vous avez plus peur. Et voilà. Bien écoutez les amis, je vous laisse dans la prochaine vidéo. Hop, paf, paf, boum. J'ai fait goûter pas tout. Et voilà les amis, je vous laisse dans cette vidéo là. J'espère que cette vidéo là vous a plu parce que quand même j'ai fait spécialement rien que pour vous. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Aimez la vidéo, likez la vidéo et ciao les amis.